À quoi ressemble le quotidien d'un boucher? Quels sont les salaires dans cette filière? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier qui ne bénéficie pas toujours d'une image très glamour? J'aime bien manger, j'aime bien cuisiner. Pourquoi la boucherie plus que la cuisine, plus que la poissonnerie? Je n'en ai aucune. Honnêtement, je suis incapable de le dire. Voilà, il y a l'amour du produit, l'amour de ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on devient boucher? On apprend tous les différents morceaux de viande, on apprend à les couper, on apprend l'anatomie des différentes viandes. Est-ce qu'on trouve du travail facilement en tant que boucher? Combien on gagne? En démarrage de carrière, on tourne entre 1500 et 2000 euros. Moi, le matin, je me lève à 4h, je suis ici à 5h, et le soir, je rentre chez moi, il est 8h, 8h30. Mais il y a une grosse coupure le midi, voilà, qui permet de faire la sieste. Et ça, il faut faire la sieste. C'est un univers qui est très particulier. C'était un monde complètement différent de ce que moi j'ai pu voir avant. Grégoire, techniquement, comment on ouvre sa propre boucherie? Est-ce que ton métier a de l'avenir? Quand on veut faire un travail artisanal comme moi je le fais, où les bêtes arrivent entières et on les débite complètement, c'est effectivement, ça demande énormément de travail.